still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about selling late thoughts on the river. Move back, nigga. Move back, nigga. Bye bye, go boom boom tum tum. Then go boom boom tum tum tum. Bye, mess you boom boom tum tum. Then mess you boom boom tum tum tum. Bye, mess you boom boom tum tum. Then mess you boom boom. Yo mon gars, c'est Razer, comment allez-vous? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Ratchet & Clank en espérant qu'elle vous fera plaisir. Comme vous aurez pu le constater, aujourd'hui il n'y aura donc pas de facecam, donc voilà je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comme avant sans facecam, ça faisait longtemps surtout et je ne sais pas si ça vous rend rendez-vous ou pas. Du coup j'ai préféré ne pas faire de facecam, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que la prochaine vidéo soit en facecam ou pas. Bref, du coup, passons au sujet de la vidéo. Ah non, tout d'abord je vais vous présenter le gameplay, mais c'est pas très important. Donc, le gameplay, les frérots, c'est une petite nucléaire réalisée par moi. Donc j'étais sur Aquarium, sur la map Aquarium, putain mais qu'est-ce que je dis de la merde. J'étais armé de ma petite Manowar, donc voilà les gars, tranquillou. Je crois que même on était en stream, donc c'était Mélina qui streamait. Mais voilà, j'ai réalisé cette petite nucléaire en groupe de 6. Vraiment, il faut pas rester basé que sur le groupe de 6. Regardez vraiment le jeu que j'ai fait, parce que vraiment, je la trouve belle, surtout que voilà, direct cash, je te fais petit 5 kills cash comme ça, ça fait super plaisir. Bref, du coup les frérots, comme vous le savez, aujourd'hui c'est une vidéo assez importante parce que c'est le RC Challenge, c'est vraiment le renouveau, on a besoin de nouvelles personnes, des personnes qui soient motivées pour avancer à Titan Clan. Parce qu'aujourd'hui, nous avons bientôt les 900 abonnés, je crois que nous sommes à allez, une dizaine d'abonnés pour atteindre les 900. Et donc du coup voilà, on a vraiment besoin de personnes motivées qui vont apporter de la fraîcheur dans la Titan Clan. Donc, les frères, on va commencer tout de suite sur ces challenges par les players. Donc, pour les players, nous en cherchons 3 voire 4 maximum. Donc, ce sont des players sur tous les codes. Franchement, on n'a aucun problème là-dessus. Nous prenons des players sur Black Ops 3, BO4, Advanced Warfare, Infinite Warfare. Bref, on s'en fout. On veut juste éviter de rester que sur du BO3. On veut changer à un moment donné de code. Donc du coup par rapport à ça les gars, voilà, on aimerait avoir des nukes. Donc quand je dis nukes, évidemment ce sont soit des nukes snipe, des nukes couteau, des nukes assez difficiles. Après c'est donc double, triple, quad. Bien sûr toutes ces nucléaires doivent être filmées. Parce que voilà, si vous n'avez pas les preuves les gars, on vous acceptera pas, ça c'est clair et net. Donc je veux les vidéos, je veux pardon que toutes vos nucléaires, tous vos merde, vos gameplays, vous les avez filmés. Que ce soit en non répertorié ou pas, bref vous démerdez mais vous nous envoyez tout. Ensuite pour les streamers nous en cherchons donc 3. Donc les streamers les gars c'est simple, il va falloir être quand même assez actif au niveau des streams, faire des streams de allez, 2-3 heures minimum. Voilà 720p ça c'est vraiment le minimum. Ensuite s'il y a une petite caméra tant mieux, s'il n'y en a pas c'est pas grave. Et ensuite les gars il faut animer le stream, voilà il faut pas vraiment que les gens s'ennuient, il faut qu'il y ait un maximum de personnes. Ensuite bah, pour les commentateurs j'en cherche 2 maximum. Donc du coup voilà il faudrait avoir une voix quand même assez bien, pas une voix grave ni une voix assez aiguë, mais voilà je pense que la mienne est quand même assez bien. Ensuite bah, il faut connaître son sujet, c'est à dire qu'il faut pas bégayer, il faut pas de etc. Et du coup aussi il faut avoir des idées de nouvelles vidéos, parce que comme vous le savez les gars c'est moi qui donne les sujets de vidéos, mais malheureusement des fois bah, ça arrive que je n'ai aucune idée. Donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me les donner, ça ferait super plaisir. Et ensuite les frérots, donc pour les mini-makers, on en cherche, même si on en a 2, on en cherche toujours. Voilà, on verra s'il y a combien il y aura de personnes, mais bon, pour l'instant on a 2 mini-makers et c'est plutôt pas mal. Ensuite pour les AFX et VFX, nous cherchons aussi, on n'a pas vraiment de nombre, mais voilà, je pense 2 s'il y en aura, on verra si y en aura ou pas. Et ensuite, je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais normalement je crois pas. Ah si, les monteurs vidéo, donc voilà, donc ça les monteurs, comme vous savez, c'est moi qui fais les montages et sont des montages quand même assez... basique, assez simple, voilà, il n'y a pas vraiment de travail, enfin un minimum de travail, vous m'avez compris, mais c'est pas quand même quelque chose de fou. Donc voilà, je recherche des monteurs, voilà, des bons monteurs quand même qui savent faire un minimum de choses, parce que bon, moi c'est pas quelque chose de fou. Donc bon, bref les frérots, j'espère qu'il y aura un maximum de personnes, les réseaux sociaux seront dans la description, j'espère que sur ce challenge vous fera plaisir, qu'il y aura un maximum de monde. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui regardent nos vidéos. C'était Razer, je vous souhaite une bonne soirée. Ou une bonne journée. Allez, ciao.